déponne, juste en deuxième colonne. Et le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour, dans la rubrique du vice, et l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, oh dites-lui qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, à faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va prendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand il voit que je flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, à quoi m'amène ce jeune homme? Ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au doux sourire, ce grand gosse au cœur tendre qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France. Contre la délinquance, c'est bon, oui. Bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste. Mais je vous le rappelle, je veux qu'il soit fidèle à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime concession pour lui apporter son pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne.